garde sera vigilante ici. Pour une carrière, il y a beaucoup de gardes. Je me demande pourquoi. Oh, mais quel honneur! Comment as-tu franchi mes gardes? Je cherche Damadès. En quoi le sort d'humain disparu peut-il intéresser la grande Dicaste? Je n'ai pas dit qu'il avait disparu. Très malin, hybride. Lorsque mes humains apportent de l'adamantium à la chambre d'expérimentation, il arrive qu'ils n'en reviennent pas. Ils tombent dans des fissures, comme les rats. Un petit garçon s'inquiète pour son père. Dis-moi simplement où est cette chambre d'expérimentation. Ta sympathie envers les humains est une perte de temps. Et ta haine envers les humains, une perte d'énergie. D'accord. Elle est dans le jardin de Simopolé. Mais tu vas perdre ton temps. Les portes sont verrouillées. Ne t'inquiète pas pour ça, je trouverai la clé. Tu peux toujours essayer, hybride. Laisse-moi te dire une chose. Traiter les humains comme de la vermine finira par te coûter la vie. Tu peux t'estimer heureux que je ne te tue pas sur le champ. Cette histoire de chambre d'expérimentation ne me plaît pas du tout. Et que font les Issous de tout cet adamantium? Alcon doit se demander où je suis. Je vais aller le voir. Mieux vaut éviter de se faire voir. Dicaste Cassandra, tu as retrouvé mes parents? Pas encore. Mais je sais qu'ils ont été emmenés vers une sorte de chambre d'expérimentation, par un Issou appelé Xarios. Xarios? Mais il était toujours gentil avec nous. Il nous donnait à manger. Et il nous défendait quand les autres nous traitaient de rats. Tu sais où je peux le trouver? Les portes de cette chambre sont verrouillées, et il est mon dernier espoir d'y entrer. Généralement, il est à la doma fortifiée de Mnéséas. Mais il est toujours protégé par des gardes. Je m'en débrouillerai.
Avance. Xarios, tu n'enlèveras plus d'autres humains. Ressemble à celle que m'a donnée Atlas. Elle peut peut-être m'aider à entrer dans la chambre d'expérimentation.
Un endroit idéal pour cacher des humains disparus. Verrouillé. Mais je pense savoir comment l'ouvrir. Plus complexe est la clé, plus précieux est le secret. On dirait qu'on n'aime pas les visiteurs ici. Thank you.
Malaka, qu'est-ce que c'est que ça? Malaka! Je t'attendais, Tassou. Bienvenue là où naissent les légendes. Qui a parlé? Montre-toi! Je m'appelle Aïta. Je suis un scientifique, et d'une certaine manière, ce sont tous mes enfants. C'est toi qui as créé le Minotaure, le Cyclope et la Terreur Ondulante? Ce sont des monstres! Comme nous tous, non? Des êtres imparfaits, qui cherchent à atteindre leur potentiel suprême. N'est-ce pas la raison de ta présence? Je suis ici. Afin de trouver les parents d'un petit garçon, et tous les signes mènent vers toi. C'est... très humain, là. Damadès, René, vous êtes là? Par ici! Nous sommes là! Pitié! Aide-nous! Dicaste, tu es là. Lyra? Qu'est-ce que tu fais ici? On est venu me chercher en pleine nuit. Je ne serai jamais en sécurité. Pas d'inquiétude. Je vais faire sortir tout le monde. On ne t'a jamais dit qu'il était cruel de mentir? Quoi? Ce qui est cruel, c'est d'enlever des gens pour des expériences. Il ne peut y avoir de progrès sans sacrifice. Ni de perfection sans expérimentation. Tu enfreins les règles de Poséidon. J'accrois les connaissances pour le bien de l'Atlantide.
L'obscurantisme de Poséidon nuit à tous. Mais nous approchons. La lumière jaillira. L'Atlantide est au bord de la guerre, à cause des Issou qui partagent tes idées. C'est la raison pour laquelle nous améliorons notre armement. Laisse partir ces gens. Il est trop tard pour eux. Le projet Olympe a déjà commencé. Une humaine s'est enfuie avant la fin de la transformation, et des vies ont été perdues. Ça ne se reproduira pas. Je pense que tu comprends. Alors, tu as vu quelle bête elle devient. Je vais conduire ces gens d'ici. Mais tu n'as pas envie de savoir ce qu'il y a derrière cette porte? D'accord, jouons. Dis-le-moi. Pourquoi te le dire? Je peux te le montrer. Sache qu'en entrant dans la chambre, tu les condamnes. C'est l'un ou l'autre. Et si je te tuais, avant de libérer ces gens et de forcer ta maudite porte? Tu ne peux pas me tuer, Cassandra. Je vois que tu es partagé. Si je te disais que la plus grande réalisation de l'Atlantide est derrière cette porte, et que c'est à toi que nous la devons. De quoi est-ce que tu parles? Ceci est un chemin vers l'immortalité. Pour toi, pour nous, accepte ta nature. Oublie ces misérables humains. Abandonne ta moralité et trouve derrière cette porte la réponse à toutes les questions que tu te poses. Pitié! Sauve-nous, nous mourrons! Tu vas renaître! Tu ne veux pas connaître la vraie raison de ta présence? Si tu les libères, cette porte te restera fermée à jamais. Si tu la franchis, elle se verrouillera derrière toi, et ces rats m'appartiendront. À quoi tiens-tu le plus, Dicast? À leur vie ou à ta destinée? Crève avec ta porte. J'ai promis à un petit garçon que je lui ramènerai ses parents, et c'est exactement ce que je vais faire. Ah, tu me déçois beaucoup. Mais peu importe. Si les deux choses dont l'Atlantide ne manque pas, ce sont l'adamantium et les humains. Allez, fichons le camp. Merci, Dicast. Je vais retrouver Alco. Plus vite! Comment pourrais-je te remercier? Dis à ton fils que si un Issou le traite à nouveau de rat, la Dicast Cassandra s'occupera personnellement de lui. Poséidon m'a menti. Tout ce temps, ils ont mené des expériences sur les humains.
Ma Dicaste est de retour. J'imagine que tu as établi un verdict pour l'Atlantide. Tu as dit que tu avais interdit les expérimentations sur les humains. C'était un tissu de mensonges. Les Issou font n'importe quoi. De quoi parles-tu? Mes règles sont absolues. Et tous doivent les respecter. Tels sont mes édits. Tes règles ne servent à rien. Des gens souffrent sous ton règne. Et tu ne t'en rends même pas compte. Personne n'aurait l'impudence de me désobéir. Il s'agit sûrement d'une erreur. Tu devrais l'écouter, tu sais. Impossible! Tu n'as pas le droit d'entrer dans la cité. Garde! Tes gardes ont du respect pour tes fils. Et quand tu as nommé cet hybride Dicaste, tes fils se sont tournés vers nous. Même mes fils refuseraient de s'incliner devant un belliciste. Qu'on le veuille ou non, les humains amènent la guerre, Poséidon. Ils ont raison après ce que vous avez fait. Tu veux dire ce qu'ils nous ont contraints à faire. Poséidon s'inquiète à propos du Soleil et de son projet de régénération florale solaire. Une catastrophe approche. Sur ce point, nous sommes d'accord. Mais il n'existe qu'une catastrophe, l'humanité. Aïta n'est pas digne de confiance, c'est un fou! Si tu savais quel monstre il tient enfermé dans son antre secret. Secret pour Poséidon seulement? Ma femme était au courant de tout. Hybride, le projet Olympe est mon idée. La fin d'un cycle de l'Atlantide n'est pas nécessairement une catastrophe. C'est pire que ça. Nous avons détecté des modifications à la surface du Soleil. Si nous ne faisons rien... Si nous ne faisons rien, les humains nous tueront tous. La seule catastrophe écologique que nous devons affronter est celle que nous avons créée. À mon arrivée ici, Poséidon a dit que j'étais chez moi. Qu'on me dise ce que je fais vraiment ici. Vite ! Quelle tristesse. Elle est encore plus humaine que je l'imaginais. Aïta, réponds-lui. Volontiers. Tu représentes une opportunité. Imagine ce qu'apporterait la duplication de ta forme hybride. Nos technologies pourraient permettre de contrôler ton esprit. Toi, hybride, on peut t'utiliser pour fabriquer l'arme suprême de Junon.
Ou plutôt, on aurait pu. L'expérience de mon époux était prometteuse. Mais après observation, nous avons décidé que tu étais un échec. Notre nouvelle arme est bien plus meurtrière que tu aurais pu l'être. Les Katonchir. Aïta, tu n'as pas... Aussi. Les Katonchir va se lever. Le projet Olympe va infliger une telle frayeur à l'humanité qu'elle ne songera jamais à se révolter. Et tu vas nommer mon mari Dicaste Basileus. Empêche cela, Dicaste. S'ils réussissent, nous sommes condamnés, tous. Il faut que tu me croies. Occupe-toi de ces deux-là. Je vais réduire leur projet à néant. Il est trop tard. L'opération a été un succès. L'Hécatonchir est vivant. Tu ne l'entends pas s'agiter. Tu as fait ça dans mon laboratoire, sous le palais. Il est condamné depuis mon interdiction des expériences sur les humains. Mais... c'est quoi ce bruit? C'est votre arme? Je vais me charger de ces deux-là. Mais il faut que tu arrêtes les Katonchir avant qu'ils nous tuent tous. Va !